Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et aujourd'hui, c'est l'arrivée de Xur. Oui, mais encore ce soir, vous avez la sortie du raid hardcore qui, je le rappelle, fera son apparition à partir de 19h heure française. Donc tenez-vous au taquet, tenez-vous prêt. Il va falloir être au plus haut level de lumière pour pouvoir espérer franchir le pas de ce raid hardcore. En tout cas, je souhaite bonne chance à toute la communauté française pour les longues heures de raid qui nous attendent. Donc on se retrouve aujourd'hui surtout pour parler de la dernière Bungie Weekly Update qui est sortie hier au soir et dans laquelle nous apprenons enfin le grand retour du jugement d'Osiris qui fera sa réapparition le 30 octobre prochain, donc le fameux week-end de la Paris Games Week. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour d'Osiris va faire du bien, il est vraiment fortement attendu. J'espère que d'ici là, quelques bugs et quelques abus seront corrigés. En tout cas, je croise les doigts. En attendant, je vous rappelle quelques règles et quelques changements qui vont prochainement nous attendre pour ce tournoi d'Osiris. Donc je vous rappelle que les récompenses s'obtiendront dorénavant en fin de partie, et ceci uniquement pour l'équipe gagnante, et forcément plus vous gagnerez en série de victoires, plus les récompenses seront de meilleure qualité. L'équipe perdante, quant à elle, obtiendra toujours ses jetons d'accès pour le tournoi, ce qui reste, avouons-le, une récompense avec un goût un petit peu amer. En ce qui concerne les bonus auprès de Frère Vance, il faut savoir que dorénavant, il vous sera impossible d'acheter les bonus une fois le jugement commencé, donc assurez-vous bien d'avoir acheté tous vos composés au préalable. Une page de détails spécifique sera maintenant accordée uniquement au jugement, dans laquelle vous pourrez voir l'avancée de tous vos bonus actifs. La destination est toujours le phare au bout des 9 victoires. D'ailleurs, au sujet des 9 victoires, vous pourrez en cumuler bien plus, mais les récompenses, quant à elles, s'arrêteront à 9 victoires, donc vous gagnerez juste la satisfaction d'être en série de victoires. Frère Vance, quant à lui, deviendra donc une faction à part entière et il vous proposera désormais des contrats qui vont vous permettre d'augmenter cette faction. Quelques changements au niveau sonore, notamment au niveau des sons sur les réanimations, et le matchmaking a changé puisque le rééquilibrage se fait dorénavant selon les niveaux des joueurs. En conclusion, plus vous serez en série de victoires, plus les ennemis en face de vous auront du niveau. Je vous rappelle que le niveau de lumière nécessaire pour entrer dans le jugement d'Osiris est de 290. Je vous souhaite bonne chance. Et avant de terminer cette vidéo, je souhaitais faire un gros clin d'œil à Arthur qui nous a tout simplement envoyé un email magnifique et très touchant cette nuit. Donc c'est exceptionnel, d'habitude je ne fais jamais ça dans une vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de lui faire un petit signe, lui montrer que j'ai bien pris connaissance de son message parmi tout le flot de messages que l'on a, et je lui souhaite bon courage pour son parcours personnel qui me semble très long, très compliqué. Et au passage, je remercie du fond du cœur tous les abonnés qui nous écrivent régulièrement. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde, c'est vrai, mais on lit bien chacun de vos messages et sachez qu'ils nous touchent profondément. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une agréable journée, profitez bien, amusez-vous, faites les fous et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.